agent qui est mort. Vous étiez proche ? C'était un ami à moi. Toutes mes condoléances. Je sais que c'est les risques du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. Ouais, ça c'est clair. Ça doit faire longtemps que t'es là. Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire depuis à peu près 5 ans. C'est un peu galère, mais je peux aller où je veux, sans trop me faire emmerder. Au moins, on te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment ? Je suis venu en business class de Manaus. Hey, celui-là, c'est tout ce qui compte, non ? J'ai fait du stop depuis Barranco, Pérou. Et toi, Alt ? Je suis monté dans un bus à Jujuy, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazón. Personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu pues la gueule. J'ai entendu parler, vous quatre. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors du coup d'État. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou, je connais pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Ouais, bah va dire ça à mon fils. Là, peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. C'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle. À toi de me le dire, Karen Bowman. Et je parie que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas à assumer les conséquences. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci. Qu'on aurait mieux fait d'interner. Il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Si son kiff, c'est ni la chatte ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les stupes et l'Interam. Je serai votre officier de liaison. Bienvenue dans l'opération Kingslayer. Le briefing a parlé d'un contingent d'autochtones. Ouais, les Qataris 26. C'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. On va voir leur chef, pas Qatari, une fois au sol. Les Boliviens portent pas les Yankees dans leur cœur, mais cette fois, j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Mais lui, tournez pas le dos, je m'y risquerai pas. Quatre soldats. C'est ça l'aide dont vous me parliez, dont Sandoval parlait. Un seul Yankee meurt, et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman ? Voici Pak Qatari. Chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru ? Tu l'as trouvé ? Amaru est l'un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ses idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est ? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de l'ISA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chasse. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention à ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions.
C'est l'heure de mériter votre solde. Allez, au boulot. J'avoue, ça me défrise un peu de collaborer avec Pak Katari et ses rebelles. Leur idéologie, c'est le genre à finir en bain de sang à tous les coups. T'en penses quoi de cette OP, nomade ? Franchement, tout ça, c'est qu'une vengeance. Faut qu'on boucle cette histoire vite et bien avant de se retrouver le cul coincé entre les magouilles politiques et les balles du cartel. Premier objectif, retrouver le lieutenant de la Santa Blanca pour remonter jusqu'à Amao. Je vote pour. Service, ce que tu veux. Réponds mes cendres sur le Los Angeles Memorial Coliseum. Ouais, ça marche. Et toi ? Tu crames mon disque dur, tu le brûles, tu le balances à la flotte, tu l'enterres sous un rocher au fond de l'océan. Mais tu t'en débarrasses, et surtout, tu regardes pas ce qu'il y a dessus. L'ennemi est actif dans ce secteur. Ok, j'y vais. Signal. Drone actif. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. La cible ne doit rien voir venir. Fixez vos silencieux. On resserre sur moi. Bien compris. Cible abattue. Repérez le lieutenant du cartel. C'est lui qui sait où se trouve Amaru.
Jimmy. Sicarios qui déboulent. Ils se plantent de direction. Ennemi abattu. Abattu. Cible neutralisée. On peut s'y remettre. Je l'ai eu. Doucement, Camille. Pinche cabron. Adulte. Des amis, des collègues. Ma mère, toujours. Ok, du con. Tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde.